Donc, quand on fait la croissance, ça crée des emplois. Le grand enjeu pour des gouvernements pour être élus, c'est d'avoir créé des emplois, des chômages. Et l'idée que l'on développe dans ce livre, c'est que en fait, les réformes de la protection sociale sont à comprendre dans le cadre de ces stratégies de croissance plus globales. En fait, si je vous le dis comme ça, quand Schröder réforme le marché du travail ou des retraites, c'est pour créer des emplois. Quand on a beaucoup de réformes qu'on fait, alors pas celles des retraites dont on parle actuellement, ou d'autres qu'on a pu faire en France, ou d'autres réformes, c'est pour diminuer, pour améliorer la compétitivité, pour diminuer le coût du travail, et donc pour créer. Donc c'est mieux associer les deux. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une fois qu'on a donc, une typologie un peu simpliste des stratégies de croissance qu'on peut trouver dans le pays capitaliste développé. On va se demander quelle est la stratégie française, sachant que le problème, un des points là, hein, que je dis tout de suite, c'est qu'il y a des modèles de croissance plutôt tirés par les exportations, des modèles de croissance plutôt tirés par la demande domestique, certains termes de balance, équilibrer les deux. Et qu'est-ce que cherche à faire la France? La France, elle a structurellement une croissance tirée par la demande domestique, mais elle cherche à devenir comme les Allemands, donc à tirer par les exportations, mais en faisant en moitié, quelque la moitié du travail, on va dire ça comme ça. Et le problème des Français, en gros, enfin, en français, c'est d'essayer d'être le moins cher possible alors qu'on a l'État providence le plus cher. Donc c'est une sorte de tension pas très positive en fait, hein, pas très constructive, mais c'est la tension dans laquelle se trouve pas mal de. Rapidement, je rappellerai que dans le livre, on passe pas mal de temps à essayer de faire le bilan des réformes de baisse du coût du travail, des retraites de santé, etc., pour montrer qu'elles sont à la fois inefficaces du point de vue de la croissance de l'emploi et inégalitaires dans les conséquences. C'est bien connu ici, donc je ne peux pas le développer du tout. Et l'idée, c'est qu'on propose une alternative plutôt que de chercher à être pas cher, pour ça, on ne cherche pas à monter en qualité dans les productions, dans les services et tout le monde. Et l'idée derrière, là, c'est que donc, je présente des choses sur l'investissement social depuis très très longtemps, mais un peu déconnecté de l'économie, un peu déconnecté des conséquences, enfin, des questions d'égalité. L'idée, c'est de retomber sur les pieds plus égalitaires d'une approche d'investissement social. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Ça marche. Ok, donc cette partie-là, elle est en anglais, parce que c'est le bouquin, je vais très vite. Donc, en gros, la notion de régime de croissance, à ma connaissance, dans la littérature française et internationale, sous la plume des. J'aime bien dire la régulo, je sais pas, à des collègues de l'école de la régulation, donc absolument ici, c'est pas mal, tout ça, avec l'idée hein, que les marchés sont inscrits dans des institutions, donc c'est bien connu. La version simpliste, parce qu'américaine, internationale, c'est variété de capitalisme, hein, ils ne savent pas compter pour un ou deux, les Américains, donc il y a. Les coordonnées, les libéraux, le market économiste, mais il reste l'idée qu'il y a des institutions qui structurent les stratégies économiques des acteurs, des entreprises. Donc c'est une approche plutôt micro. Et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer sur ces avantages comparatifs, hein, donc plusieurs façons de maximiser le profit, et que se mettent en place historiquement, sur un siècle, en gros, c'est connu, des complémentarités institutionnelles dans deux types d'économies de marché coordonnées, donc plutôt au modèle allemand, coordonnées, hein, les acteurs se coordonnent, banque, entreprise, entreprise entre elles, employeur, salarié, et le gouvernement essaie de soutenir tout ça, alors que dans les libéraux de market économie, la coordination se fait par le prix, par les mécanismes de marché. Pour aller très très vite. Et puis, Bruno a publié en 2003 un grand bouquin, Cinq capitalismes, enfin en français et en anglais, qui essaye de faire le point de tout ça. Et lui, en gros, il y a cinq types d'institutions qui structurent les relations économiques, donc les régulations des produits de marché, le système financier, le financement de l'économie, donc le problème de gouvernance, évidemment, tout ce qui concerne l'élaboration des salaires et l'organisation du marché du travail. La formation des compétences, donc l'éducation technique, et la protection sociale en sens très très large. Donc, ça résume pas mal ça. Deuxième, alors ça, bon, c'est mieux collé tout à l'heure, mais ce qui est écrit ici, c'est que ça, c'est ce qui structure les débats de comparative politico-économie, ça, dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010. Donc, chez plutôt les politiciens, les gens qui sont un peu à l'intermédiaire.
Et puis, en 2016, paraît un article de Caro et Pontusson qui dit, il y en a marre, vous approchez micro et centré sur l'offre, vous êtes fait avoir par une libéron, très pratique. Il faut revenir à du macro, et il faut remettre le focus sur la demande, sinon quelles sont les sources de la demande. Et donc là, ce qu'il dit, c'est est-ce que c'est les ménages domestiques, est-ce que c'est les ménages des autres pays, donc demande domestique ou demande externe, et puis est-ce qu'il y a aussi l'investissement public et l'investissement privé. Nous, on a fait, et ils ont conclu qu'il y a en gros trois modèles de croissance. Il y a un modèle de croissance uniquement tiré par les exportations, typique l'Allemagne. Un modèle de croissance uniquement tiré par la consommation intérieure, Grande-Bretagne et les États-Unis. Un modèle de croissance équilibré, la Suède, où vous avez une forte contribution de la demande intérieure et des exportations. Et un quatrième car il ne fait rien, c'est l'Italie, puisque vous avez une ligne externe, une ligne interne, ça bouge pas trop. Ça, c'est Baccaro Constitution 2016. Nous, on a essayé de confirmer les choses pour voir si on pouvait effectivement répartir le monde à partir de cette idée-là. Donc, ça, c'est des évolutions, vous voyez, de la demande domestique et de la balance commerciale entre 1997 et 2007 avant la crise financière. On a effectivement des pays qui sont plutôt. Être très positif et on voit que la demande domestique elle va pas très vite, au contraire, quand la demande domestique évolue plus fortement, vous avez une balance commerciale plus négative. Une autre façon de calculer, voilà, c'est déjà là, c'est pareil, c'est de mettre deux groupes en disant lesquels ont une très grosse contribution de l'exportation dans le PIB et l'autre, c'est pas beaucoup. C'est des choses comme ça, mais qui sont assez importantes pour montrer, je dirais, les obsessions politiques. En Allemagne, c'est très clair qu'il faut soutenir les exportateurs. En Suède, il ne faut pas non plus s'amuser à trop casser la capacité à exporter. Qu'en revanche, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est ça, en fait, les structures de vente internationale. On s'en fout de la monnaie, des choses comme ça. L'important, c'est de soutenir la demande domestique. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a un article en 2013 qui explique que certes, on a quitté le monde keynésien traditionnel, où c'est la dépense publique et les salaires qui tirent la croissance domestique, mais qui est venu remplacer l'accès facile au crédit. C'est Colin Crouch qui a écrit un article en 2013 qui s'appelle « Privatized Keynesianism ». Dit qu'en fait, tout ce qui se passe dans les années 90-2000 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est une facilitation de l'accès au crédit qui compense la stagnation des salaires et qui entretient la capacité à consommer. Alors, c'est la carte de crédit, mais c'est en fait surtout le marché des mortgages. Puisque vous savez comment ça se passe en Angleterre aux États-Unis, vous renégociez votre mortgage tous les 3 à 5 ans, donc la valeur de votre maison, elle augmente, puisqu'il y a un boom continu pendant 15 ans, et quand vous renégociez votre mortgage, vous acquérez une capacité à consommer sur la valeur hypothécaire de votre maison que vous renégociez tous les 3 à 5 ans. Ça, c'est là, mais vous avez d'autres. Je voudrais une petite parenthèse, je vous montre ça. Là, sur ces deux groupes de pays, bon, à l'exception de l'Allemagne, pourtant, les pays de la droite, c'est quand même surtout des pays de plus petite taille par rapport aux pays de gauche, quand même. Pas vraiment très grand, par exemple. Mais par rapport à tous les grands pays en population sont sur la gauche, à part l'Allemagne, parce que là, dans les petits pays, on exporte beaucoup plus à population aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est effectivement, j'avais jamais pensé à ça comme ça, de dire en fait, c'est les plus petits pays qui, à la fin, sont quand même assez nombreux, qui sont un peu obsédés par la compétitivité. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'ils ne sont pas forcément obsédés par avoir un excédent commercial? C'est-à-dire que là, tu vois, par contre, parce que le Japon, parce que l'autre explication que les gens ont en tête quand ils pensent à l'Allemagne ou au Japon, ou éventuellement aux excédents commerciaux, c'est l'obsession démographique, parce qu'il y a des populations qui vieillissent, etc. Donc, ça, c'est une explication absolument rationnelle pour les énormes excédents commerciaux. En tout cas, historiquement, c'est clair que, mis à part l'Allemagne, pour les autres, c'est parce que c'est des petits pays qui vont chercher la richesse à l'extérieur. Ils savent bien que dans une optique keynésienne, il ne suffit pas de compter sur la capacité à consommer nationale. Ce que a montré Katrin Schutheil, par exemple, c'est que cette orientation d'aller chercher la croissance à l'extérieur amène à la coordination. C'est-à-dire que les salariés, par leur syndicat unifié, représentatif et par mission, on va dire ça comme ça, intègre l'idée qu'il faut qu'ils modèrent l'augmentation des salaires
à l'aune de la productivité à peu près, pour que ça ne puisse pas, que ça aille à l'encontre de leur capacité à consommer. En échange du quoi, les employeurs s'engagent à maintenir l'emploi ou garantir un système comme le Danemark où, même si vous êtes difficile, vous avez trouvé. Donc en fait, ça se construit dans les années 50-60. La stratégie d'exportation induit la coopération. Ça, c'est un point extrêmement important. Ici, historiquement, on voit aussi, je réponds en fait plus correctement, historiquement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand tu as, dans les années 50, de plus en plus de pays qui disent il faut tirer la croissance par l'augmentation des salaires, hein, qui est, donc aux États-Unis, si j'entends, les économistes comme les syndicats le demandent, les employeurs sont pas super forts pour y résister, puisqu'on est en labor shortage, pour aller vite, ça tu le vois en gros aux États-Unis, en Angleterre, en France. C'est d'ailleurs à partir de ça que les rivaux se améliorent fortement. La croissance est très forte. Par les salaires, et là on se dit effectivement qu'on a, on a des capacités à faire. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand même que c'est déjà à ce moment-là, c'est qu'il y a le traumatisme de l'inflation, où il y a une équation qui s'est construite, qui est une équation politique, je ne dis pas qu'elle est très bonne forme, mais hyperinflation égale chômage égale hyper, donc le stade d'hyperinflation. Et puis il y a IG Metall, le syndicat de l'industrie manufacturière, qui va dire aussi, devant les demandes d'autres syndicats sectoriels d'augmentation de salaire, hors de question, sinon on va ruiner la compétitivité. Et donc il y a une alliance Bundesbank et IG Metall et les employeurs de l'industrie, parmi les IGB, qui vont dire dès 1955, c'est un peu l'année, nous on ne va pas dans cette voie d'augmentation de salaire. Ce qui explique aussi pourquoi Schmitt, ces fameux tiers 74, va dire, parce qu'en fait ils n'ont jamais fait de faire une réponse comme une deuxième une récession. Donc ils se mettent là. Après, ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que l'Allemagne a compris dans les années 80-90 que le changement du monde, la globalisation, faisait que c'était un petit pays. Parce que nous, on n'a toujours pas compris. Mais voilà, c'est 90 millions, quelque chose comme ça d'habitants. Non, 86, pardon. Nous, 66. Ici, on en a 10. Mais là-bas, c'est 1,3 milliard. Qu'est-ce qui fait grand ou petit, c'est des changements d'échelle qui, à mon avis, font que l'Allemagne a compris plus vite que certains autres qu'ils étaient un petit pays. Et ils ont une stratégie de petit pays qui est une stratégie de niche. En gros, il y a trois secteurs d'exportation, on peut dire très vite, hein, c'est des voitures, des machines outils et des machines. Et si on comprend ça, on ne s'étonne pas que Bayer rachète nos secteurs. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un peu œcuménique. Donc, on reprend l'approche institutionnelle qui structure les stratégies économiques des entreprises, mais on dit aussi des gouvernements. On reprend l'idée que la demande est importante aussi, donc les sources de demande sont importantes. Et on rajoute un troisième élément, c'est où est-ce que tu fais ton activité économique? C'est quoi, donc, engine of growth? C'est quoi les secteurs qui sont absolument cruciaux pour créer ton économie? Nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est les obsessions des gouvernements. C'est ce qu'on cherche à protéger. Si on ne sait pas que l'agro-industrie en France est cruciale, pas seulement parce que les producteurs font brûler les pneus, mais aussi c'est un terrain en secteur exportateur, en source de profit, d'emploi, etc., on ne peut pas comprendre les stratégies de croissance. Donc voilà, donc ça c'est la première question, c'est les secteurs. Donc l'industrie manufacturière, c'est très clair pour l'Allemagne, c'est clair pour le Japon, c'était clair pour l'agro-industrie, mais ça l'est moins. Pour la France, on va avoir les champions de l'agro-industrie et quelques autres choses. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, donc, c'est la financiarisation du capitalisme britannique, la finance ou la tech pour les États-Unis. Il y a aussi des points, on sait même que les États-Unis, c'est très très gros. Voilà, donc c'est se poser cette question-là. Là, on reprend quand même un petit peu touché sur l'idée qu'il y a des institutions qui sont essentielles pour structurer les attentes et les ajustements des agents, mais aussi des agents gouvernementaux. Et enfin, l'histoire de ce que c'est exporté. Et l'idée, c'est que ça donne sens. C'est que si on regarde les cinq institutions qui structurent le capitalisme, on va aller très très vite, ça a des effets et sur l'offre et sur la demande. Je ne redéveloppe pas, c'est pour aller très très vite. Mais l'idée, moi qui m'intéresse, parce que moi j'ai toujours travaillé sur la protection sociale, c'est que 3 sur 5, ça relève du social narcosensu. Les salaires, le droit du travail, le chômage, les assurances sociales, l'assistance, etc., et la formation. Et deuxième point que je voudrais faire, c'est que donc le gouvernement, quand il veut changer
les institutions, donc les institutions, les incitations sur les événements, il va jouer là-dessus, et il va jouer donc sur la protection. Et il sait, vraiment, les économistes, les conseils de gouvernement savent que si tu touches ça, tu vas espérer avoir un impact sur tes offres et sur la demande. D'accord ? Le deuxième point qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de dire que ça, en Europe en tout cas, ça échappe de plus en plus des mains des gouvernements nationaux. Parce qu'il y a des... En gros, il y a le droit de la concurrence européenne. Ça n'échappe pas complètement, mais ça échappe quand même pas mal. Ça, c'est pareil. La globalisation, la financiarisation fait que le capital est de plus en plus globalisé. Donc, ce qui reste aux mains des gouvernements pour essayer de changer les conditions économiques et avoir de l'impact sur la capacité à créer des emplois, croître, etc., c'est ce truc-là. Donc, l'étape 1. C'est pour ça que enfin, c'est poussé. Comment dire, une argumentation c'est logo, mais en tout cas c'est pour ça de dire que si vous regardez bien ce que le gouvernement fait dans les pays, bon, mis à part ce que Baccaro et Pontusson appellent de façon caricaturale, l'introduction qui a été utilisée il n'y a pas très longtemps aussi de la distraction, nous parlons du pertinent ou quelque chose comme ça, quand ils s'attaquent aux sujets économiques et sociaux, politiques économiques, en réalité les instruments qu'ils utilisent, c'est beaucoup ça, et la fiscalité. Et ça a des échéances. C'est un peu le point. Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le papier, dans le livre, pardon. Et l'idée, c'est. Voilà, ça, c'est les questions de bouquin. C'est donc comment les règles de croissance ont évolué au cours des 20-30 dernières années. Parce que le problème, vous savez, des analyses typologiques, c'est qu'elles sont hyper fixistes. Donc, une fois qu'on a trouvé cette typologie, on est super content. Et on cherche à la retrouver tout le temps. Plus trois mondes. Or, il s'est passé des choses. Et donc, l'idée, c'est qu'il s'est passé des choses et ça fait quoi et en quoi les réformes d'État prudent sont contribuées aux transformations. Donc, c'est quoi les transformations, en gros, l'aide de la croissance, globalisation, désindustrialisation, de l'activité économique, gros niveau de chômage pour beaucoup de pays et, je vais terminer là, digitalisation, qui sont en gros les deux grandes transformations globales. Et l'idée, c'est que pour faire face à ces changements-là, les gouvernements ont cherché à retrouver la croissance. Donc, il y a aussi, ça encore, Thomas, je pense, l'a montré, les 30 glorieuses, c'est une parenthèse. Mais c'est la parenthèse de référence. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver le prêt d'emploi, la croissance de cette période-là, avec très nostalgie à l'eau blanche que ça peut avoir sur les rapports de genre, sur un certain nombre de choses, mais enfin, en tout cas, c'est un peu ça. Et donc, ils mettent en place ce qu'on a appelé des Employment and Growth Strategies. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas les mêmes suivant les pays, suivant les circonstances, donc, suivant notamment le passé d'où on vient, hein, et ses spécialisations économiques. L'idée, c'est qu'on identifie trop rapidement cinq types de types idéal types de croissance. Alors, un exemple, par exemple, quand on regarde la digitalisation, on s'aperçoit que certes, c'est un phénomène global, mais des pays, si on prend par exemple les emplois dans les secteurs digitaux, entre guillemets, d'après l'OCDE, il y a des pays où c'est énorme, donc c'est plutôt les pays nordiques et les pays anglo-saxons. Et les pays où c'est pas beaucoup, c'est plutôt les pays de l'Est de l'Europe et l'Allemagne, le Japon, dont on parle. Donc ça, c'est juste pour montrer que la diversité d'absorption de ces grandes transformations comme la digitalisation, mais ça vaut aussi pour la financiarisation. Ça, je parle, on a pris plein d'indicateurs de financiarisation, vous voyez s'ils sont là, on s'aperçoit qu'il y a aussi une disparité, il y a des pays plus ou moins financiarisés. Et une fois qu'on a dit ça, on essaie de regarder la relation. On montre aussi, mais on ne le démontre pas, on montre que plus on est financiarisé, plus on est digitalisé. Ça ne reste pas à creuser, pour l'instant c'est une coïncidence, ce n'est pas une corrélation, mais de voir s'il y a quelque chose là derrière. Mais les deux groupes de pays les plus financiarisés, c'est en fait les anglo-saxons et les nordiques. Ça, c'est une chose qui n'est pas forcément connue, mais le niveau de dette privée, le niveau de financiarisation des retraites, enfin, tout un tas de choses montrent que c'est, les pays nordiques, en fait, ont été beaucoup financiarisés. Et c'est aussi dans les pays anglo-saxons et dans les pays nordiques qu'on a le plus gros taux de digitalisation si on vend des emplois, si on vend des différents indicateurs. On dit qu'il y a quatre façons dans les pays se sont
comportée dans la financiarisation, donc ceux qui sont très financiarisés et qui sont dans la demande domestique forte, donc, etc. Donc ça, c'est des pays anglo-saxons. En fait, c'est typique de ce que je disais tout à l'heure, d'accès privé à la capacité à consommer, hein, par le mortgage, par l'accès à la finance, par... Donc, si on essaie de montrer plus grand, parce qu'on ne voit pas trop le bien, mais le rôle joué par les fonds de pension, le rôle joué par les assurances privées de santé, le rôle joué par le fait qu'il faille emprunter pour faire des études, hein, tout ça, ça fait partie de la financiarisation, qui alimente avec, qui s'appelle fil de bus, en fait, pour décrire la stratégie. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des pays qui vont essayer de financiariser en partie leur retraite, en partie le marché immobilier, et qui vont jouer sur la dette privée, mais qui va quand même soutenir une capacité productive exportatrice plus grande. On va dire ça comme ça. Notamment, c'est une capacité à piloter le capital financier. Vous savez peut-être que les pensions au Danemark, par exemple, ils sont gérés par les partenaires sociaux. Et si, ça va. Il y a aussi pas de contraintes plus fortes sur le type d'investissement. Et là, on a des pays pas très financiarisés. Donc ça, c'est l'Est et l'Europe du Sud. Pas très, ça veut dire qu'il y a certains secteurs, comme le secteur de l'immobilier en Espagne, très financiarisé. Par les retraites, tout ça. En Europe de l'Est, ils ont essayé de faire, vous savez peut-être, ils ont privatisé au sens Banque mondiale le système de retraite dans les années 90-2000, mais Orban, mais le PIS en Pologne, etc., ils ont renationalisé, définancialisé, et puis, et ceux qui sont les moins, ça c'est super, trop de monde, c'est super intéressant, c'est ces pays exportateurs d'industrie qui sont les moins financiarisés et aussi les moins. Nous, on en conclut, je passe les étapes, mais qu'il y a en gros 4-5 types de régimes de croissance et donc de stratégies pour essayer de stimuler la croissance. Donc, ceux qui vont essayer, donc ça c'est les trois qui misent sur les exportations, qui n'ont pas forcément les mêmes sources ou les mêmes domaines. Donc, ici, on va plutôt jouer les dynamic services, donc notamment ICT, etc., et avec beaucoup de renouvellement, c'est-à-dire que les gens font pas une carrière dans ce secteur tout au long de leur vie, en Allemagne, en Suède, etc. Mais on joue sur les exportations, mais on joue aussi sur la très forte valeur ajoutée des activités et des salaires élevés pour à peu près toute la population. Et en matière de protection sociale, on a une stratégie d'investissement social sur laquelle je reviendrai très rapidement. Ici, on a plutôt mis sur les exportations, mais de high quality manufacturing goods. Donc là, c'est plus cher, hein, c'est une grosse voiture allemande. Les Allemands, ils fournissent les machines outils du monde entier, y compris les usines chinoises, pour les vite, et ils polluent tout le sol, toutes les pesticides, elles sont toutes faites par les gens maintenant, sur la planète entière. Donc, c'est plutôt ce genre de choses-là. Ici, vous avez la volonté d'être en capacité d'exporter, mais dans ce qu'on appelle dépendance économique, vous savez, c'est les pays baltes et les pays de l'Est, qui sont en fait dépendants des capitaux étrangers, les FDI, et souvent c'est des capitaux européens, en fait. Allemand, français, parfois américain. Dans les pays du Visegrad, vous voyez, c'est la Hongrie, la République tchèque, etc., c'est plutôt manufacturing. Vous savez, c'est la partie European Value Chain des Allemands. Et les Pays-Bas, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux, ils vont jouer plutôt à High Quality Services et à obtenir des fonds suédois, anglais, américains, français, pour faire des startups pas trop chères. Les deux, là, ils jouent pas trop chères. Ce qu'on a appris le congrès. Et ici, c'est deux façons de tirer la consommation par la demande domestique, par la financiarisation, ça c'est des dépenses de consommation, et en Europe du Sud, c'est par les dépenses publiques. Et salaire, c'est là où on va commencer à situer la France. La France tire sa consommation structurellement par la demande domestique, et cette demande domestique, elle est fortement alimentée, entretenue par beaucoup de redistribution, donc du cash, que ce soit les retraites, l'assurance chômage, etc. Et aussi par un salaire minimum généralisé comparativement élevé. C'est quand je dis ça que je suis pas content, mais comparativement, le salaire minimum en France est plutôt élevé par rapport à d'autres pays. Ça, c'est la structure pour la France. Ce n'est pas les politiques qu'on fait depuis 30 ans, mais c'est la structure de la vie de croissance. Alors,
Je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous êtes ce que je voudrais sur l'idée de stratégie de croissance, donc on essaie de donner une définition. L'idée, simplement, c'est que nous, on regarde ce que les gouvernements font, ce que les employeurs et les salariés négocient, dans l'esprit de stimuler la croissance et l'emploi. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une stratégie, parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Hein, ça veut dire qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'il y ait une relative cohérence, en tout cas sur le moyen terme, dans ce qu'ils essayent de faire, et que ça s'appuie beaucoup sur la forme de la croissance. C'est en gros l'idée de base de la stratégie de croissance. Ça, c'est le tableau synthétique. Donc là, il y a les cinq que je vous ai présentés tout à l'heure, les cinq régimes de croissance. Tout un tas de choses intermédiaires qui concernent le travail, balance commerciale, rapport à la monnaie, etc. Mais pour arriver ici à la stratégie de réforme de la protection sociale, ici, celle que écrite et analysée depuis très longtemps, la dualisation du marché du travail et la protection sociale, ce n'est pas une dualisation comme mécanisme de marché, c'est une dualisation organisée. Hein, enfin, là, pour le coup, la France essaye de miner l'Allemagne, mais on organise le fait que pour le second marché du travail, donc les services dits non qualifiés, les coûts soient beaucoup plus bas, la flexibilité soit beaucoup plus forte. Mais quand on fait ça, on s'assure que les employeurs, le marché humain, ne soient pas concernés par la flexibilité, la flexibilisation, etc. En Allemagne, c'est hyper visible. Dans les mêmes années, vous avez les réformes du marché du travail allemand qui flexibilisent. Vous avez des grands accords dans les grandes entreprises qui ne disent pas le licenciement avant 15 ans. On est vraiment sur le rapport. Vous avez donc l'investissement social chez Adendrec qui est à essayer d'investir dans les capacités collectives d'une partie de toute la population, d'impliquer toute la population si vous voulez jouer ça. Ça, ce que vous essayez de faire, c'est d'être attractif d'un point de vue fiscal, donc pas trop d'impôts, notamment de production. Donc c'est l'Irlande, c'est l'Antony, mais en fait, si vous regardez c'est vraiment le pays d'Afrique aussi, ils essayent de la tuer, je travaille, mais aussi d'avoir une stratégie sociale qui soit cohérente avec ce qu'ils exportent. Ici, bah, ce que disait Philippe de Bisse, hein, c'est on essaie de privatiser un max parce que ça va alimenter la machine à générer de l'activité et générer du revenu à crédit. Et puis, j'ai appelé ça le socio-protectionnisme, c'est la défense de sa capacité à consommer en défendant une retraite, en défendant un chômage, un certain nombre de choses comme ça. J'imagine que je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples, mais l'Italie, France, Espagne, vous avez trouvé ce monde. Donc, il y a un lien entre les deux, c'est ça l'argument fort du bouquin. Voilà, ça, c'était le premier point. C'est ça. Maintenant, et la France là-dedans. Et la France, c'est pas pur. C'est pas pur parce qu'en gros, structurellement, la demande est tirée par la croissance est tirée par la demande interne, c'est-à-dire la période où on était excédentaire. En fait, c'est la triche. Hein. C'était quand l'Allemagne n'était pas bien, c'était le début des années 90, c'est le moment de la réunification. Comme on change beaucoup et totalement, ça change complètement. Enfin, beaucoup de choses, mais pour le reste, on est plutôt là-dedans. Et on a eu un système, avec des informistes, qui a bien alimenté les choses, y compris le système de formation sociale et le système de protection sociale. Et ça, c'est un point important. Le système de protection sociale est très coûteux, mais il est très coûteux pour une chose particulière, c'est entretenir la capacité à consommer des gens qui ne peuvent plus. C'est ça, nos dépenses sociales, elles sont là. Or, construction européenne, globalisation, tournant néolibéral dans les politiques économiques et chez les économistes, enfin, chez certains économistes, c'est moins ce que tu dis, mais ça ne peut pas marcher. Il y a l'idée que de toute façon, ça ne peut pas marcher dans le contexte, etc. Donc, il faut changer. Il faut changer, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir donc, les versions pures, il faudrait libéraliser, il faudrait être... Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant en parlant avec des experts du Conseil du gouvernement économistes qui sont plutôt à Sciences Po, le modèle, ce n'est pas les Américains, le modèle, c'est l'Allemagne. Hein, c'est, vous savez, c'est la fameuse bassin dans les années 2000, on disait tout le temps, regardez la France volée par rapport à l'Allemagne, on est vachement au-dessus, etc. Il y a l'idée que le coût du travail est trop élevé. Il y a l'idée que c'est beaucoup trop rigide le marché du travail, mais pas forcément pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui valent rien, qui sont pas techniques, etc. Donc il faut passer, ça coûte également de à toute de rénovation, hein, s'il faut travailler la compétitivité des entreprises. Donc on va essayer de faire ça.
Mais ce qui est vachement intéressant quand on discute non pas avec des économistes purs, mais avec des responsables politiques, c'est qu'il faut le faire sans que ça se cassonne, sans que le système se cassonne. Il faut arriver à le faire sans foutre en l'air la machine à consommer. Et ça, c'est. J'avais invité le directeur actuel de l'INSEE qui expliquait qu'il était le gardien du temps pour qu'il n'y ait pas une taxation à 100%, d'un côté, mais aussi pour qu'on ne se retrouve pas avec des gens à la rue. Et donc, le SMIC, par exemple, ce n'était pas une totale aberration pour nous. Ceux qui sont dans le comité sur le SMIC. Et de toute façon, si jamais vous l'oubliez, l'unité revient très très vite. C'est-à-dire que si vous commencez à toucher à ce qui va déterminer le revenu des Français, bah, très très vite, vous voyez le chemin qui est. Et pour moi, cette histoire-là, c'est l'histoire des fins de mandat de Sarkozy, fin de mandat de Hollande et fin de mandat de Macron. C'est-à-dire que début de mandat, on essaye de se germaniser, en tout cas pour Sarkozy, mais fin de mandat de Hollande plutôt, mais si on regarde toutes les voies de travail, mais même avant, il y a l'idée, on essaie de se germaniser. On essaye aussi de ralentir le coût indirect du travail, ça c'est même bien le travail. Et vous avez quoi ? Vous avez une pression des consommateurs, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit d'autres. Et ça se termine comment ? Ce courage, on redistribue, donc c'est des paquets, des milliards, 14 milliards, etc. On redistribue la capacité, comme si le régime prenait la rue et disait tu peux pas faire ça, sinon tu peux pas. Une autre protestation, mais aussi le chemin. Donc, c'est un jeu d'équilibrisme. On verra comment, pour aller vite, comment on le résout. Bah, le truc sur lequel on peut jouer, c'est sur le coût en direct du travail. Donc, sur les cotisations. Puisque ça ne grève pas votre revenu net. Si vous essayez de baisser la partie cotisation sociale, qui est quand même plus de la moitié du coût du travail hors cotisation, si vous jouez là-dessus, normalement, vous baissez le coût pour les entreprises, donc vous accroissez votre compétitivité, et ça ne grève pas la capacité à consommer les Français. Donc c'est pour ça que ça active beaucoup. Pourquoi il y a cette obsession beaucoup plus forte que dans la plupart des pays sur le coût du travail et sur les politiques d'exonération de cotisations. Et donc l'idée, là, c'est ça. L'idée, pour caricaturer, nous on dit la stratégie française, en fait, c'est une stratégie du low cost. Donc c'est une stratégie qui est totalement obsédée par le coût du travail. Donc, la plupart des politiques économiques françaises se résument à essayer, vous voyez, d'être de moins en moins coûteux par rapport aux compétiteurs. Ça, c'est le coût du travail de 5 pays auxquels on se prétend. Et vous voyez qu'on était plutôt en baissant, pareil, en 2009, et puis ça a vachement baissé. Ça, on met ça en regard, c'est ça pour montrer combien ça a des conséquences pas terribles par rapport à ce qui se sont passés les limites. Vous savez, c'est les jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Vous voyez que c'est un lien des pays où ça stagne plus. Ça ne résout pas des problèmes de compétences sociaux, de jeunes, de chargement, peut-être. En tout cas, c'est la grande obsession et on l'a plutôt réussi. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on en a fait beaucoup. Le coût du travail a baissé relativement à nos compétiteurs. Vous savez, juste un point, dans cette histoire-là, du coup, quand on dit notre problème de compétitivité, c'est le coût du travail, et plus de la moitié du coût du travail, c'est la protection sociale, du coup, la Sécu, ça devient la cible. Hein, c'était qui portait et le progrès social et contribuait quand même à la croissance dans les années 40, maintenant c'est quand même c'est de plus en plus devenu le grand méchant, et pas seulement dans la bouche de Dominique Seux. Je dirais c'est quand même pour beaucoup d'analyses. Bon, si le machin il se développe, il y a plus de dépenses de retraite, plus de dépenses de santé, c'est lié au vieillissement et au progrès technologique pour ce qui concerne la santé. Le truc qui est intéressant, c'est que quand on a de la croissance, les dépenses de protection sociale augmentent plus vite que la croissance. Ça vaut pour la santé, c'est un bien supérieur, mais ça vaut aussi pour la retraite. En fait, si vous bloquez les dépenses publiques, ça ne vous empêchera pas de voir les dépenses destinées à la protection sociale augmenter. Simplement, elles sont privées. Et ce mécanisme-là montre bien comment c'est une véhicule, puisque l'appartement, c'est privé, tout le monde en paye moins, c'est privé. Protection sociale privée, que ce soit les fondations, les mutuelles, l'éducation.
Alors, je vous disais, c'est quoi les dépenses sociales? Ben, les dépenses sociales, hein, c'est beaucoup de dépenses. Ça, c'est la France, hein, qu'on regarde sur ces longues périodes. Et bien, c'est les dépenses de retraite, c'est la dépense de santé. Et ça, ça augmente. Les dépenses publiques générales, elles n'augmentent pas. C'est un seul truc qui augmente. Mais par contre, les dépenses éducation, les dépenses d'autres protections sociales, donc pour les pauvres, pour les familles, pour le logement, ça, c'est pas très épais et rapide. Quand on dit on a un système de protection sociale coûteux, c'est pour un certain taux qui est sans plus de principal. Ok, donc ça, je l'ai déjà dit, vous connaissez bien, donc il faut être compétitif. Et par contre, ce qu'on essaie de se dire dans le bouquin, ce que moi, je trouve qu'on ne dit pas beaucoup, c'est de regarder où on se situe dans les produits, qu'est-ce qu'on produit et quel type de produit on fait. Et c'est assumé dans Mestralet, par exemple, on est en milieu de gamme. On fait de la Clio, pour dire autrement. On est en milieu de gamme. Moi, j'ai entendu l'ancien conseiller très proche de Mestralet dire être Polydor, il n'y a pas de honte à ça. Ça peut être très bien. Simplement, il faut en faire beaucoup parce que c'est pas sur le prix du gardien, c'est qu'on en fait beaucoup qu'on arrive à la fin de marge. Vous voyez le truc, on s'est pensé c'est une formiste des années 50, mais encore apparemment d'actualité des années 2000. En tout cas, on est là-dessus. Et ça, on ne remet pas en cause. D'accord ? C'est pas ce qu'on fait en France. Et du coup, on dit, mais alors, qu'est-ce qu'on est cher ? Clio, elles sont super chères. Et pourquoi on est cher? Bah parce que protection sociale, salaire, c'est élevé, parce que paiement à la sécurité, on ne s'en rend pas compte de l'activité, et la protection sociale. Donc le débat, il tourne beaucoup sur la compétitivité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas du tout avoir ça sur les Allemands, vous restez les meilleurs. Vous n'allez pas avoir ça en Allemagne, vous êtes premier, vous n'allez pas avoir ça en Suède, quand vous n'êtes plus capable de faire de gros profits dans l'industrie à terme, l'innovation, la qualité, le type de produit, les positionnements de marché sont extrêmement importants, on n'a pas trop cette réflexion-là. En France, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on veut essayer d'apporter une approche différente. Dans le bouquin, il reste, il faut voir les conséquences de ce raisonnement-là, donc on se concentre complètement sur nous. Du coup, c'est le coût du travail, le coût de la protection sociale. Et du coup, là, cette tension, plus on va taper sur le salaire, moins on est en capacité consommer, plus on tape sur la protection sociale, moins on est en capacité à consommer pour être plus vite, pour être plus vite au chômage. Donc, ça, il y a des risques sur la croissance et le chômage, mais la compétitivité devrait passer par une baisse de chiffre. Alors, il y a. C'est le slide de Clément, hein, c'est un des grands spécialistes en France de l'évaluation des politiques de baisse du coût du travail. Donc, il montre l'évolution des cotisations sur les hauts salaires, donc ça augmente, et sur les bas salaires, ça stagne. Donc, ça, c'est le résultat de la politique qu'on a menée. Depuis les années 70. Ça, c'est des beaux graphiques qu'il fait pour montrer l'accumulation de baisse de cotisations sociales. Donc, au tout début, vous voyez, c'est 93, c'est sur de 1 à 1 de SMIC. C'est les débats de la fin des années 80. Et en conséquence, à partir de. Enfin, d'abord, c'est ouvrir qui commence, mais bien sûr, le systématique, c'est des petites baisses sur les bas salaires, puis après, on augmente. À la fois le niveau des baisses et qui est-ce qui est concerné. Jusqu'à aller très très loin, puisque aujourd'hui on est à 2,5 SMIC qui bénéficient. Alors, pas d'une annulation totale, ça c'est ici qu'on a une annulation totale des cotisations sociales, mais d'une grosse partie sur l'un. Et avec, là on est sur si je ne me trompe pas, le CICE qui va très loin dans ce type de. Ce que Clément a montré, scientifiquement validé par tout un tas de reports et de publications scientifiques, c'est qu'à partir de ça, en gros, ça ne crée pas d'offres. Et ce qu'il a même montré pour le CICE, en faisant des définitions, ce que ça a fait, c'est que ça a, donc, les économies que les entreprises ont faites
c'est-à-dire les subventions que nous reçus de l'État sur les cotisations sociales sur les bas salaires, ça a débouché non pas sur la création d'emplois, ça a débouché sur l'augmentation de salaire, mais pas de ceux d'en bas maintenant. Tu peux avancer d'accord, parce que c'est vraiment le quand même sur le haut salaire, en fait, ça a le taux à converger avec les bas salaires pour les employés. Oui, pour les employés. C'est les déplacements. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de prendre un regard comparatif. Donc là, en France, c'est débat. On baisse les cotisations sociales, mais quand on doit expliquer ce qu'on fait à l'Union européenne, on explique qu'on va changer, parce qu'en fait, c'est une grosse partie de ces baisses-là, elles sont compensées. C'est une loi 94 qu'on fait de l'exo. Vous devez compenser le manque à gagner pour la sécurité sociale. C'est une loi que Balladur, en fait, avait négocié avec les partenaires sociaux qui laisse passer la réforme de 93 sur la retraite, qui est la seule qui n'a pas fait l'objet de manifestation. Et donc, c'est de la dépense publique. Les baisses de cotis, ce n'est pas des non-rentrées, c'est de la dépense publique parce qu'elles sont compensées. Donc, l'État, il compense les baisses de cotisations sociales et ça se voit très bien si vous analysez les lois de finances, mais surtout si vous écoutez ce que le gouvernement explique quand il explique ses réformes au niveau européen. Nous avons changé le mode de financement de la protection sociale et désormais, c'est plutôt par des impôts pour les passages. Et du coup, on peut même calculer le fait qu'aujourd'hui, le financement de la protection sociale est redistributif. L'État paye sur le salaire, sur le salaire, on paye. Du côté du financement, c'est redistributif. C'est un effet non voulu. Donc il y a cette transformation-là, certes, mais en tout cas, en termes d'emploi, ça marche. Ça a marché ici. Ça marche plus au bout d'un certain moment. Donc ça, c'est le résumé des résultats de Clément, je ne vais pas y revenir plus en détail, mais une des idées moi, que je trouve intéressante, si j'ai bien compris, c'est de dire qu'il y a une substituabilité entre capital, machine et travail, que ce type de politique fait qu'on n'a pas substitué, qu'on a gardé du travail en le rendant plus cher. Ce qui explique notamment qu'on a beaucoup moins de robots, qu'on a beaucoup moins avancé dans la digitalisation, des économies auxquelles on se compare. D'où notre conclusion. À la fois, si vous regardez les effets de trappe à bas salaire que ça crée, ces effets-là, ma conclusion, c'est de dire que ces politiques de baisse des cotisations sociales, ça tire l'économie française vers le bas. Vers le bas de l'échelle de salaire, vers le bas de l'économie, vers le bas de la production. C'est même pas le bien, mais c'est ça. Les incitations sont par là. Vous n'êtes pas incité à remplacer le travail par du capital, etc. Donc, il y a cette conclusion qui nous paraît importante, c'est non seulement ça ne crée pas d'emploi, mais ça transforme petit à petit notre spécialisation, et c'est une spécialisation qui est très importante. Bien sûr, on pense à mon nom, mais il n'y a pas beaucoup. Il faut regarder ce qu'on produit, quel type de produit on a, de service on a, pour pouvoir essayer d'avoir ce type d'idée. OK. Alors, ça, c'est une formule que je suis toujours très content de dire, mais il y a des gens qui gagnent. Des gens qui gagnent, c'est des gens qui sont les plus parmi vous, et les gens qui sont assez dans cette salle, c'est des hauts salaires, hein, parce que les hauts salaires, on n'est pas touché. Comme on n'a pas créé beaucoup d'emplois pour les hauts salaires, on n'a pas de chômage, on vient pouvoir nous donner ceci pour faire monter les salaires. La preuve, le CICE, c'est subvention des entreprises pour augmenter les hauts salaires, mais il n'y a pas de chômage. Et puis en plus, on a des services pas chers. C'est-à-dire que la stratégie de flexibilisation, vous pouvez regarder votre travail, etc., ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les services aux entreprises et les services aux personnes. Que ce soit les services de care, que ce soit la logistique, livraison, que ce soit la collecte de déchets, etc. Et donc ça vous fait un cœur qui est entouré de servants, comme ça. Et qui, là, correspond dans la stratification sociale à la situation allemande. Ce n'est pas tout à fait le même modèle de principe. Donc, pourquoi on fait ça alors que ce n'est pas très efficace? Parce qu'il y a des gagnants. Évidemment, ils sont à l'extrême sens. Et ils sont les tenants de ces politiques. Alors, bon, je vais aller vite, donc ça, je ne vais pas le développer, mais l'idée, c'est que
Une fois qu'on a tapé au maximum sur les ressources, on tape sur les dépenses. Donc on essaie de limiter les dépenses de retraite, limiter les dépenses de santé, limiter les dépenses d'éducation. Jusqu'à présent, c'était plus facile, hein, c'était moins. Et à chaque fois qu'on fait ça, ça a des effets négatifs. Parce que ceux qui peuvent compensent, par une fonds de pension, par de la mutuelle, par tout ça, les autres ne compensent pas, donc ils se retrouvent à moindre chose. Donc ça vaut pour l'éducation privée, ça vaut pour. Donc, je ne vais pas plus vite. Enfin, je vais plus vite. Nous, ce qu'on propose, c'est une stratégie différente. Qui est plutôt de questionner le niveau de gamme de ce produit, que ce soit les produits et les services, de questionner le fait qu'on est peut-être trop cher pour ce qu'on produit, mais au lieu de se dire baissons nos coûts, pourquoi pas augmenter la qualité, améliorer, accroître la qualité de ce qu'on produit. C'est un peu ça, changer de raisonnement. Et en plus, d'essayer de faire pour toutes et tous. Parce que l'idée, c'est que c'est un système, et que c'est pas seulement de faire émerger des champions, ou peut-être en plus seulement d'avoir les premiers cordées économiques, mais c'est plutôt si on crée un environnement de qualité, ça permet beaucoup plus l'émergence de cette montée en gamme. C'est un peu ça l'idée, l'investissement dans la qualité pour tous, donc investissement social, associé à une stratégie économique, et là on n'est vraiment pas, parce que Macron il en parle parfois de l'investissement social, mais d'abord on fait la croissance, donc le premier de cordée, service-sel, et après avec un peu d'argent on va investir dans l'éducation des plus pauvres, hein, le développement du CPCE1 et des choses comme ça. Alors que l'idée là, c'est que pour pouvoir organiser cette montée en qualité, il faut faire l'investissement social. Ça vient en premier, et donc c'est monter en gamme de la production marchande, des services, etc., mais pas seulement. C'est une stratégie aussi d'emploi qualifié et de qualité partout, de reconnaître des qualifications dont on dit s'occuper des autres, c'est des emplois non qualifiés, c'est questionner ça. On est tellement au-dessus des SMIC qu'on n'en sait rien, en fait, et qu'on a décidé, parce que c'est nous qui décidons que ce n'était pas très qualifié, que c'était une situation. Mais voilà, l'idée, c'est que moi j'ai écrit un papier sur les essentiels. Les essentiels, c'est soi-disant des non productifs qui ont été obligés de parler parce que sinon on crevait. La santé, l'éducation, le soin aux autres, les poubelles, l'infrastructure ne bossait pas pendant le confinement. Essentiel, ça veut dire qu'on en est la société, ça questionne quand même la valorisation collective que le marché du travail fait à tel nombre de ces emplois-là, en disant que ce n'est pas qualifié, ce n'est pas productif, donc on n'est pas humain, par rapport à cette expérience naturelle assez intéressante du confinement. On ne vient pas là-dessus. Après, moi, j'ai dans ce papier, j'essaie d'expliquer d'où ça vient, donc ces emplois qui sont humains, tout un tas d'accumulations et de politiques qui renforcent cette idée-là, donc on pourrait questionner dans nos cours. Voilà, si vous voulez qu'on parle d'investissement social, on va faire dans les questions. C'est en gros la première idée. La deuxième idée, c'est les capacités de scène. La troisième, c'est d'essayer de mettre en place des politiques qui, dès la petite enfance, créent une mobilité et renouvellent les capacités. C'est plein de slides, il faut que je m'arrête. Je pense qu'on peut. Oui, bien sûr. Mais surtout si j'attaque la voiture. Non, mais prends-nous quand même encore. Ok, c'est 15 minutes. Ok, d'accord. Bon, l'idée, c'est que ça fait des années que je bosse sur l'investissement social. Donc ça, c'est un bouquin en anglais qui a essayé de rassembler l'idée qu'il y a des nouvelles idées pour que ça constitue un nouveau paradigme pour réformer la protection sociale. Et qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup en France, mais il y a plein de pays qui font référence et qui ont vraiment structuré autour de ça. Donc autour de ces idées que je viens de dire, moi j'essaie de porter la bonne parole en France, donc au CESE, le Conseil économique et social, la France Stratégie, avec la CNAF, etc., de faire un peu de propagande. Et une des choses, deux choses sont issues de ces travaux-là. La première, c'est que si on la présente que comme une stratégie sociale, elle va sûrement être cornélisée, c'est-à-dire pour quelques pauvres, pour les méritants, tout comme ça. Donc il faut l'associer à une stratégie économique. Et la deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est qu'en fait, on en faisait déjà. On a des crèches, on a de la formation, on a des grandes écoles, des écoles grandes. Quand on regarde qui bénéficie d'un investissement social traditionnel français, c'est les classes moyennes et supérieures. C'est un effet massif.
S'il va en crèche, on se fait là-dessus en France, c'est des enfants de classe moyenne, etc. Qui bénéficie de la formation en France? Les gens déjà formés. Qui a un taux d'encadrement et d'investissement public les plus élevés en matière d'éducation supérieure? Nous, comme l'école, etc. Donc oui, on fait de l'investissement social, on en fait traditionnellement sans postuler, mais pour certains. En fait, c'est là où c'est le plus rentable, hein, parce que à la fois pour soi, mais aussi peut-être pour l'économie. Ensuite, deuxième temps, quand Macron va commencer à en parler, en faire lui, il va dire que c'est pour les plus pauvres. Donc, c'est l'investissement social, enfin, c'est dans la stratégie de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants. C'était vraiment pour les plus pauvres. Et la façon dont il l'a abordé, ça a été de changer l'approche de la pauvreté. Au lieu d'aider les pauvres en donnant des sous, on va les aider s'ils font du bien. S'ils vont être s'ils se font. Donc, une approche de l'investissement social ciblée sur les plus pauvres et conditionnels. Et du coup, je reviens à mon pays de cœur, la Suède, et je regarde l'investissement social qu'ils font depuis les années 60, et je m'aperçois que tous les bébés vont en crèche. Moi, j'étais prof en Suède, il fallait assurer que les étudiants ne sont pas censés rater. Donc, un étudiant qui rate, vous avez le droit de faire un fail, hein, vous avez rendez-vous avec lui, vous analysez pourquoi il a raté, vous faites un programme de travail, il repasse. Si ça ne marche pas, il repasse. S'il n'y a pas de raison que tout le monde puisse le faire. Si vous, le modèle finlandais, vous avez tous entendu parler, les profs sont formés, quoi, on leur apprend 20 techniques de pédagogie différentes pour qu'ils s'ajustent à chaque gamin. Parce que chaque gamin a sa façon d'apprendre. Donc on est dans l'investissement social très tôt. Si vous regardez les résultats PISA, vous savez, PISA, c'est le niveau de compétence des populations adultes, c'est un finant d'égalité en termes de. Du coup, à la fin de ça, je me suis dit, mais en fait, il faut arrêter de parler d'investissement social comme on faisait là-dedans, c'est-à-dire au singulier. En fait, il y a plusieurs assemblées. Donc là, en ce moment, je suis en train de sortir deux très gros bouquins qui s'appellent l'investissement social de par le monde. Et puis, en fait, il y a trois façons. Il y a une version ciblée sur les plus pauvres, qui est Tony Blair, ou Macron, ou l'Amérique latine. Vous savez, la bourse familiale, c'est comme ça. Sinon. Il y a une version universelle et inclusive. Plutôt nordique, avoir des exemples. Et puis, il y a une version qu'on appelle stratifiée. Stratifiée, c'est qu'en fait, c'est pas pour tout le monde. Alors, quand on dit on va faire des places en crèche, on ne dit pas qu'on fera en sorte que tous les enfants aillent en crèche. On va juste faire en sorte d'en avoir un peu plus. Ce qui est, ce qu'il va y avoir, c'est ceux qui ont le plus de capitaux économiques, politiques, culturels. Moi, je m'amuse que j'ai un public un peu plus âgé de dire qui a eu ses enfants en crèche, donc il y a du mal à se faire. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir? Parce que vous ne pouvez pas avoir une place en crèche si vous n'avez pas fait pour obtenir. Par contre, vous allez voir le maire, vous allez voir c'est la crèche. Et évidemment, ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est. Voilà, donc ça, c'est un point important pour l'investissement social. Et ça, on le rappelle dans le bouquin, qui est plus récent, qui dit maintenant il y a une typologie de politique d'investissement social. Donc, et en fait, il y en a qui sont pires que le mal. La version stratifiée, elle va, comme ça marche, elle va accélérer les atouts des classes supérieures et elle va laisser encore plus sur le carreau ceux qui n'ont pas ces atouts à la naissance. Donc, l'investissement social stratifié, maintenant, moi, je ne peux plus le défendre. C'est bien, ce qu'on défend dans le cas, c'est inclusif. Ou une cible n'est pas conditionnée. Bon, ça, c'est une version pour expliquer que c'est une approche en termes de parcours de vie. Donc, au lieu de segmenter les risques sociaux, maladies, retraite, chômage, pauvreté, logement, c'est plutôt d'essayer d'avoir une approche en bouquet pour la petite enfance, pour l'enfance et l'adolescence. La jeunesse, la vie active, au moment du vieillissement, qu'est-ce qui est important de faire en termes d'autonomie? Eh bien, et l'idée, c'est qu'il y a un retour sur l'investissement décroissant, c'est Ekman et quelques autres. Donc, il vaut mieux commencer tôt parce que ça. Retour sur l'investissement social, donc le retour social aussi sur l'investissement, il est plus fort si vous commencez tôt. C'est la petite enfance, c'est les congés parentaux, c'est l'accueil de qualité et collectif, c'est les prestations familiales pour ne pas être dans la pauvreté. Vous avez un certain nombre de retours sur l'investissement en termes de capacité des gamins.
et donc de réduction des inégalités héritées. Enfin, il y a plein de travaux, y compris des, qui ont été faits ici, hein, que, un, ça marche, la crèche, avec ses derrière, les familles de camp, des choses comme ça, et deux, ça marche en particulier pour les enfants issus de milieux défavorisés, et que c'est à ce moment-là que se jouent beaucoup des inégalités, à un an, à deux ans, après. Là, on peut faire énormément de choses. Là, c'est la réussite pour tous. C'est la formation initiale nécessaire pour tout le monde. Là, c'est l'accompagnement des jeunes, donc, à la fois RSA ou revenus étudiants, mais c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement vers le logement, l'accompagnement vers autre chose. Et là, c'est des gains, c'est aussi l'autonomie. Donc, on ne parle pas beaucoup de politique d'autonomie pour les jeunes en France, mais c'est un truc essentiel. Si c'est, il ne suffit pas d'avoir acquis des compétences, il faut être capable de les mobiliser. Donc, combien de femmes ont fait des études et se retrouvent à temps partiel ou femmes au foyer au bout d'un moment. Donc, c'est un défi pour tout le monde. Donc, il y a tout à fait d'enjeu sur l'organisation du travail. Les réunions, on dit tout à fait ça, parce qu'on est en train de faire, c'est pas très cool pour la vie familiale. Il y a d'autres choses, mais c'est la participation au marché du travail, mais aussi, en fait, ça a des effets sur la communauté. Au bout d'un moment, on ne peut pas supposer que parce qu'on a eu des grands concours à 21 ans, c'est bon pour toute la vie. Donc, il y a aussi le renouvellement du capital humain qui est extrêmement important. Nous, on le sait, puisqu'on est en formation permanente. En fait, on cherche même le cours, c'est la formation permanente. Mais aller discuter avec un chirurgien de formation, c'est super intéressant. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Le mec, il a 55 ans, il peut être formé sur plus qu'un mois, il pourrait être médecine, ou faire des changements, c'est énorme. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on n'est pas du tout dans l'idée de formation tout le long de la vie. C'est une profession en France. Et ça, c'est pour maintenir des taux d'emploi élevés. Au niveau du vieillissement, il y a tout un tas de trucs. Moi, en tout cas, c'est mes prises de position actuelles sur les retraites. Il y a un raconte pareil dans la fin de retraite. Et demandons-nous comment on fait pour que tous les Français travaillent au moins jusqu'à l'âge de la retraite, donc 62 ans. Vous savez, la moitié des Français qui sont plus en emploi entre 55 et 65 ans, c'est plus que 35%, 40% au-delà de 60 ans. Donc, c'est ça la question. Et pour faire ça, bah, c'est de la formation, c'est de l'adaptation des conditions de travail, c'est de la prévention. Voilà. Et puis, perte d'autonomie, bah, là aussi, l'idée, parce que souvent, on dit, ouais, mais ton investissement social, ça s'occupe que des productifs, qu'est-ce qu'on fait des handicapés, qu'est-ce qu'on fait des personnes très âgées, etc. Bah, il n'est que si on s'en acquitte collectivement, alors c'est pas obligé de s'en occuper individuellement, ce qui en général retombe sur le dos des femmes, mais en général est très inégalitaire. Puisque une famille aisée peut trouver des moyens de s'occuper de ses dépendants, une famille mal aisée, modeste, la possibilité. Voilà, alors, ça c'est l'investissement social sur un graphe. Donc, et l'idée, c'est une perspective en termes de cycle de vie et non pas en termes de risques sociaux. Donc, c'est une approche un peu bouleversante. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qu'on fait en matière de protection d'investissement social en France, d'abord, on fait des choses antinomiques. Notamment ça. Ça vous a peut-être entendu parler du libre choix. Donc, du côté de la petite enfance, on dit chacun fait ce qu'il veut. Donc, soit la crèche, soit la nourrice, soit décider de rester à la maison. Et on essaie de fournir à peu près autant d'argent pour ça. Ben, c'est pas du tout libre le choix. Les diplômés à fort capital culturel veulent la crèche. C'est super bon pour les demain. Les classes moyennes et supérieures sont nourrices pour garder la carrière. Et les personnes sans beaucoup de qualifications se disent plutôt de boucher 550 balles à Mislic chez Carrefour, autant que je ne parle pas de projet. Ça veut dire que ce choix-là les a éloignés définitivement du marché français. Il n'y a pas de libre choix, mais c'est vrai aussi pour les EHPAD. Hein. On est censé choisir librement avec les prestations. Du grand âge actuel, entre EHPAD, aide à domicile ou financer en aidant familial, donc ça brûle. Comme ça, on s'est apercevé que vu le prix, vu. C'est pas des choix, c'est très déterminé ce système. Et du coup, les plus modestes choisissent de ne pas mettre leur enfant en crèche, choisissent de rester à la maison, choisissent de sacrifier leur carrière, donc c'est pas bon pour leur propre autonomie financière et pour les taux d'emploi. Et ce qui n'est pas bon pour le gouvernement, qui ne bénéficie pas d'un appel collectif, qui apporte tout un tas de choses. Deuxième truc qui est vraiment pas d'investissement social, c'est de dire aux jeunes, demande papa, maman, financer tes études, etc. Ça, vous êtes sûr, vous reproduisez des inégalités, et puis ce n'est pas très stimulant dans l'accès
à l'autonomie des études supérieures, c'est au nom de famille de ministre, hein, laisser les jeunes, laisser les parents s'occuper des jeunes, ben ça, ça en fait, non, ceux qui sont perdants, c'est à des limites, à des taux limites, c'est des taux de décrocheurs, etc. La formation, ben ça, je l'ai dit, c'est réservé aux plus qualifiés. Là, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on n'est vraiment pas dans, dans l'investissement social en matière de formation, de conditions de travail, dans le monde actuel des entreprises. J'étais très choqué au CESE de parler avec les employeurs qui n'avaient jamais entendu parler ni de learning organization, ni de l'entreprise libérée. Enfin, vous savez, c'est machin beaucoup plus horizontaux. Genre Volvo, hein, ce n'est pas des petits exemples, hein, c'est des grosses, grosses entreprises, mais qui sont encore de dire bah, le stress, ça rend productif. Une grande DRH se dit, ah non, mais le stress, ça rend productif, c'est plutôt bien. Alors, des fois, il y a des excès, comme chez Orange, etc. Mais voilà. Il n'y a pas l'idée de, qu'on rencontre dans n'importe quelle entreprise suédoise comme à Google, hein, c'est plus chéri qu'un salarié, il va te faire une productivité très de dingue. Quoi. Donc, cette idée-là, on n'a pas, trop. Bon, le préfet, évidemment, ce n'est pas du côté faire en sorte que les gens travaillent dans les conditions. On n'en fait pas assez non plus, donc ça c'est voilà les chiffres, hein, je vous les ai montrés d'une autre façon, mais voilà ce qui se passe du côté des dépenses pour les 60 ans et plus, voilà ce qui se passe du côté pour les jeunes en France, les dépenses publiques, voilà ce qui se passe pour les 18-24 ans, c'est là les jeunes, les actifs, ça augmente un petit peu, et puis les enfants. C'est là. Je ne sais plus si je mets les slides, mais vous savez que la pauvreté, maintenant, c'est les enfants des jeunes. C'est pas, au moins, nos dépenses publiques, elles sont efficaces pour la pauvreté, mais on est plus sur les priorités sociales actuelles. Bon, ça, c'est des comparaisons qui montrent que oui, on est champions, hein, sur, en matière de protection sociale, à l'époque, le Danemark aussi, mais en matière d'investissement social, si on retire de toutes ces dépenses, qu'est-ce qui est qualifiable d'investissement social, c'est pas là qu'on fait la dépense. C'est un peu ça. Donc, quand on dit l'état de l'homme, duquel on parle et de quoi on parle en matière de politique sociale, c'est un peu la question. En tout cas, l'investissement social, c'est l'éducation. Là, c'est assez fin comme un truc, parce que c'est éducation, ça c'est complètement, c'est formation. Mais c'est dans les dépenses familiales, ce qui va être crèche. Par exemple, sur dépenses, parce que des fois, c'est toutes les dépenses actives de marché du travail qui est LNP. Moi, je dis toujours, non, tout ce qui est un coup de pied dans le cul, on retire, c'est pas de l'investissement social, donc on regarde la partie formation. Donc, c'est assez fin sur la façon de l'identifier. Après, c'est pas un très bon truc, parce que ça me dirait bon, par exemple, loin dessus, parce que ce genre de choses, je te dis, mais par exemple, les indemnités comme la guerre, c'est essentiel pour préserver le pays. Où il y a des dépenses dites passives par le CDE qui contribuent à l'investissement social, les assurances chômage pour les bien payés, les assurances, les indemnités chômage santé pour les bien payés, ça a un effet sur le PPM. Ce méfier de ça, c'est plutôt la version comparative de la chose par rapport à la table. Donc, on en fait, bah, c'est stratifié, effet Mathieu, donc je donne juste un graphe. Voilà. Nous sommes le pays où l'écart d'accès aux crèches par rapport aux revenus le plus élevé. Ça, c'est qui va en crèche. Donc, il y en a. Ouais, c'est ça, c'est crèche. Donc, il y a pas mal de gamins. Vous voyez, ça, c'est le premier exercice. C'est vraiment un champ pour les habitants du 5e arrondissement. C'est le taux de crèche le plus élevé de France. Simplement. Et vous n'avez pas ça dans cette... Ouais, là, c'est plutôt un effet tiré de la préparer parce que la Paris, ouais. En général, historiquement, c'est faible. Ça ne va pas être Paris qui tire ça plutôt. Non, j'essaie de parler par image, donc c'est pas exact, tu as raison, mais par contre, ça, c'est le chiffre. Oui, non. Donc, c'est... Des sur l'ensemble de la France, c'est donc, c'est plein de façons de le dire, mais on n'a pas le temps de le développer. Mais ça, c'est l'idée que le livre de soi n'est pas plus. C'est très. C'est en fait. Fait discriminant, du triage. Et quand on sait l'importance, donc, j'ai tout un tas de slides que Marc Urban et d'autres connaissaient très bien à la fin, je ne vais pas les présenter, mais de tout ce qui se passe à un an, deux ans, trois ans, et combien c'est démontré. C'est là que les inégalités en fait, se réinstallent et se creusent.
c'est vraiment un enjeu pour ça. Voilà, je termine là-dessus. Donc, c'est quoi notre stratégie? Bah, c'est l'investissement social pour toutes et tous. C'est faisable, parce que j'ai participé à un grand séminaire premier pas. On a montré que c'est faisable de garantir à tous les enfants de 6 mois à 3 ans, 4 demi-journées d'accueil collectif de qualité. Donc, vous avez ceux qui sont déjà en crèche, mais vous avez celles et ceux qui sont en nourrice qui peuvent venir. Vous savez, dans différents lieux d'accueil, les nourrices viennent avec les enfants, et là, on peut mettre en place, il y a déjà des échanges sur un peu de formation pour les nourrices. Les gamins, ils sont plus nombreux, ils peuvent bénéficier de ces choses-là, et on peut faire ce qu'il y a de l'année. Et il y a la place, c'est pas hyper coûteux plus que ça, on peut le faire pour celles et ceux qui ne sont pas. Ce n'est pas le rendre obligatoire, mais en tout cas, c'est faisable, et c'est un objectif universel. C'est le point. Deuxième, on va questionner l'école maternelle, ça c'est une évidence. Hein. Quand on dit à peu près n'importe quel être humain, d'ailleurs de la planète sauf les belles, qu'il y a un adulte pour vie, 28 gamins entre 3 ans et 6 ans en France, c'est 12 mètres de primaire. En gros, c'est pensé comme une école, ça vient de l'héritage républicain, hein, l'école maternelle, c'est pas du tout pensé comme la tessorie, le développement. De différentes capacités. Voilà, troisième temps, on va se poser la question du rôle de l'école. Le rôle de l'école depuis la République, c'est la mérité passive, donc identifier les bons élèves, puis les trier et les faire sortir du reste. Boblo et plein d'autres l'ont montré, l'élitisme républicain. Nous, on propose ça, c'est-à-dire très inspiré par Sucio, etc., de dire, mais c'est pensé de bien mis en œuvre, c'est tout le monde a un droit de tirage de 3 à 5 ans d'accès aux compétences post-bac. D'accord ? Mais contre les étudiants, ce droit de tirage, c'est financé. Donc, ça veut dire que pour la plupart des gens, ça va être le moment d'être étudiant, c'est une sorte de revenu, salaire étudiant. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou pas voulu ou quoi que ce soit, ils peuvent le faire. C'est cette notion-là. Et évidemment, c'est coupé de revenus des parents. Est-ce que c'est financement, ça va être ici et ailleurs? Oui, si on retire, si on déconstructualise, si on reprend les allocations familiales. Et puis, on essaie de mettre en place une formation plus longue de la vie et non pas une fois qu'on est arrivé au chômage. D'accord, donc ça, c'est du côté de l'accès au tutel. Mais la deuxième chose, c'est faire en sorte que tout le monde, une fois formé, une fois qualifié, une fois avoir ses compétences et son autonomie, puisse le réaliser. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les projets parentaux qui sont cruciaux. Vous avez peut-être déjà invité à l'interviewer, viendra hein, sur le fait que les congés parentaux sont un levier d'égalité très puissant à l'intérieur du foyer, ainsi que la déconjugalisation de la fiscalité. Donc ça, c'est essentiel pour réussir sa carrière. En fait, tant qu'on déconnecte l'égalité salariale professionnelle de ce qui se passe à la maison, on n'y arrivera jamais à l'entreprise. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boss et quelqu'un qui reste à la maison pour tout le monde. On va aller très, très vite. Donc ça, c'est dans des pays, c'est un droit. C'est un droit aussi. La compatibilité dans différents états de la vie. Et puis, l'active étude, dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est à combiner avec une stratégie donc, de montée en gamme de la production marchande qui repose sur des emplois de qualité pour le mandat de pied et qui reconnaît investir dans les compétences de tous les travailleurs et toutes travailleuses, y compris les essentiels, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, un des objectifs essentiels, c'est la qualité des emplois et des conditions de travail. Ce n'est pas abstrait, la qualité des emplois, c'est très documenté. On sait à peu près sur quelle dimension il faut jouer. En gros, Christine Arin, par exemple, qui a bien essayé de montrer ce qui fait un emploi de qualité, ce n'est pas que des rémunérations. Hein. Allez, arrête. Alors, on avait dit au départ, donc, s'il y a des questions. Qui veut poser une question? Personne n'en peut, je ne sais pas. Comme il y a énormément de temps, si ça prend une question. Chez nous, les gens ont un niveau plus de master que sur la formation du cours.
Ouais. D'aller jusqu'à ce que l'élève réussisse. Après, j'ai l'impression que c'est aussi une stratégie de recul face à, au passage d'aller vers un emploi. Et ça donne aussi des trucs un peu absurdes, de s'acharner. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans le bouquin, par contre, on a fait, plusieurs récemment de tribunes là-dessus. Et on en parle un peu dans le bouquin. L'idée, c'est pas tout le monde au master, puisque tout le monde au master, c'est des valeurs de master, et c'est la sélection par la chef, etc. Mais c'est de beaucoup plus ouvrir et réouvrir la capacité à aller en études courtes, notamment pour des gens dont le parcours scolaire les amènerait plutôt là. Et en fait, le succès des IUT et des BTS fait que c'est vraiment inacceptable. Donc, ils vont avoir un bac pro, soit ça en classe, soit amené à la fac, et puis on en fait. C'est une caricature de vite, mais ce serait aussi de permettre mieux, en plus, une capacité d'accueil, de formation plus courte, plus professionnalisante pour ceux qui, dont le parcours scolaire les amène à pouvoir en bénéficier. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est tout ça en avance. Quand on regarde les ordinateurs, il y a une orientation sélection, en fait. Différemment, ce n'est pas parce que vous pouvez réussir que vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas aidé à choisir un défi. Donc, Tosfan, quand il a démocratisé, il a juste élargi la taille des amphis sans se demander qu'est-ce qu'on allait faire dans le défi. C'est cool. Ça déborde. Voilà. Plutôt de repenser là aussi à l'aune de quelles compétences on a à prendre, ça, c'est plus économique. Ça. Après, méfions-nous quand même de relever là un cheval. L'idée de dévalorisation des diplômes, parce que ce que je veux dire, c'est quand même du malthusianisme de classe moyenne. C'est-à-dire, il ne faut pas que trop d'hommes fassent un master, parce que ça va le valoriser. Donc, une fois que je suis rentré, je n'ai pas pied de 30, il ne faut pas oublier non plus. Attention, lutte intra-classe. C'est juste un très vite, parce que si on n'hésite pas à déborder, tu disais l'analyse en termes de régime de croissance, ça, parfois ça a tendance à être un peu trop fixiste, fixer les pays. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à la France, les stratégies d'études de la France par rapport à l'Allemagne en particulier, je me demande quand même s'il n'y a pas, on continue d'être un peu. De faire comme si des choses qui en fait étaient liées à des conjonctures particulières, à des trajectoires historiques spécifiques, on leur donnait une espèce de valeur quasi éternelle. Ouais. Et tu vois, en particulier sur le avant 2000, enfin si tu prends toute la période de 1950-2000, bon, il n'y a pas plus d'excédent commercial en Allemagne qu'en France. Enfin, les deux pays sont équilibrés commercialement, exportent ce qu'elles ont importé. Un petit peu plus quand même. On avait regardé s'il y en a un petit peu plus. Tu regardes en quoi les années 90 Non, mais c'est pas si tu prends plus long, de toute façon, l'autre façon de voir, c'est qu'il n'y a aucune accumulation d'actifs extérieurs pour l'Allemagne jusqu'en 2000. Donc, si tu veux, de où sont passés ces excédents commerciaux, est-ce qu'il n'y a aucune accumulation d'actifs extérieurs? C'est ce que disent toujours. Parce que Vaccaro et Pontusson, ils disent que c'est dans le post-formisme qu'il y a des modèles de croissance différenciés. Donc, moi, je leur dis là, non, l'Allemagne, c'est dès les années 50. Et eux, ils répondent ce qu'ils disent. C'est-à-dire, si tu regardes l'excédent commercial, si tu regardes l'évolution des salaires, ça reste wage-led growth, comme tous les pays. Ok, mais après, si tu regardes les stratégies des entreprises, ça fait du gouvernemental, tu vois que le salaire va peut-être tirer, mais il va y avoir toujours un souci de coller l'évolution du salaire à l'évolution de modération salariale, de mise en place d'institutions qui vont garantir la modération salariale dès les années 50. Tu ne vas pas avoir. Ah, si. Si. Franchement, tu. Je pense qu'ils ont une croissance pour aller manger tout ça. Alors, c'est peut-être ça. Des deux côtés. Non, mais je pense que c'est quand même important parce que après, ça n'enlève rien du tout à la perspective que tu donnes ensuite, mais parce que ça montre aussi que les choses sont moins fixées. Je pense que dans la divergence-là, il y a beaucoup de la mélange de
d'un effet euro dans lequel l'Allemagne va rentrer, puis l'effet unification qui fait que l'Allemagne a très peur de se trouver déclassée à un moment où on est pas à faire de la déflation salariale et puis voilà, l'hyper-compétition entre territoires sur l'Allemagne. Mais c'est un truc qui se déclenche assez récemment. C'est ce que dit la comme moi, je m'intéresse plus aux décisions politiques aux structures macro. Je trouve qu'on a déjà cet esprit-là en Allemagne que tu n'as pas trouvé en France, mais d'accord. Dire en gros, la croissance, elle est tirée par les deux en Allemagne tout au long de la période que tu cites, et elle devient exclusivement tirée par les exportations à partir des années 90, et notamment parce qu'ils font du whitewashing, ce qu'ils appellent whitewashing, c'est-à-dire qu'ils vont taper sur les salaires. Et comme en même temps il y a l'euro, c'est pas possible pour la France ou les amis de relever ce qu'ils auraient fait sans l'euro. Donc c'est vraiment la conjoncture des deux, il y a l'euro et la peur. Ouais. Mais tu es d'accord que si tu regardes la dévaluation, tu en as pas mal, des années 50, tout à l'heure. Oh oui, mais ça c'est autre chose, c'est pas sur le seul de faire le choix de voir. C'est un choix plus monétaire qu'un choix lié à avoir structurellement plus d'exportations. Les deux sont pour qu'il y ait structurellement plus d'exportations d'avoir des gens à vie, il faut qu'il y ait derrière une classe que tu as envie d'accumuler dans le reste du monde. Et tu vois, cette classe, qui est la classe qui possède des actifs communaux et coloniales en Allemagne, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de classe. Il y a des entreprises qu'on déconne. Tu as accumulé à l'étranger pour faire plus que ce que. Non, mais enfin, ça, c'est vrai que nous, on est à l'aube de ça. On parle de plus de travaux là-dessus, et donc la dimension coloniale est tout à fait essentielle. Donc, peut comprendre le modèle de croissance, c'est nous, on est à l'aube de ça et à tort. Parce que moi, c'est une remarque qu'on a déjà fait plusieurs depuis. Une remarque que plusieurs depuis ont fait, mais à niveau domestique export, en fait, regardez l'histoire coloniale. C'est une partie de l'explication aussi. Et pourquoi ça t'en fait un truc. Mais ça change absolument rien à tout ce que tu dis sur l'investissement social et la stratégie de l'économie. C'est vraiment, vraiment passionnant. On va arrêter là. Il est 19h30. Oui, je crois que comme tu l'as parfaitement dit, c'est une horreur. C'est peu. Donc, arrêtons-nous là.